Rémi qui terminera première, victorieuse, remportera la tête de lion. Celle qui terminera en deuxième position ajoutera sur son bâton deux têtes de serpent. Trois têtes de serpent pour les troisièmes, quatre têtes de serpent pour les quatrièmes et évidemment cinq têtes de serpent pour les cinquièmes. Chère famille, l'épreuve suivante va faire appel à bon nombre de vos sens et notamment l'ouïe. Il va falloir être attentif car je vais demander à une maman ou à un papa de se bander les yeux. L'objectif, traverser le parcours. Pour cette première épreuve de la journée, les familles sont confrontées à un parcours d'obstacles et vont devoir faire preuve d'adresse et de cohésion. L'un des parents de chaque équipe, les yeux bandés, sera guidé par la voix des autres membres de sa famille. Il devra traverser divers obstacles et porter sur ses épaules des paniers remplis de crottes qu'il faudra déverser dans une urne à l'autre bout du parcours. La famille qui aura réussi la première à remplir l'urne jusqu'à la ligne gagnera évidemment la tête de lion, mais pas seulement. La découverte du wildlife, vous vous souvenez, avec les rhinocéros, et bien là vous pourrez découvrir une nouvelle fois cette zone interdite au public dans la réserve avec de nouveaux animaux. Les familles, est-ce que ce nouveau défi de Safari Go est compris? Oui. Le défi des crottes safari va démarrer dans quelques secondes. Chacun a choisi sa stratégie dans nos familles. Du côté des porteurs, tous les papas ont été réquisitionnés, sauf chez les violets, où c'est Kim, la maman, qui va s'élancer pour jouer le rôle de la porteuse. Êtes-vous prêts? Oui. Safari, go! C'est parti! Les familles se lancent dans la première étape de cette épreuve. Les aînés de chaque équipe doivent d'abord remplir les paniers de crottes le plus rapidement possible pour que leurs parents les transportent de l'autre côté du parcours. Allez, Mélissa! Remplis, remplis, remplis! C'est bon, Mélissa? J'en ai rempli qu'un. Allez, allez, allez! Les bleus sont les premiers à se lancer les yeux bandés. C'est bon, avant. Mais tout le monde crie. Stop. Difficile donc pour Nicolas de comprendre les indications de sa famille. Nicolas, chez les bleus, a déjà pris un petit peu d'avance. Dépêche-toi, Maëlys. Dépêche-toi. Tiens. Fais gaffe, attends, il va se renverser. Allez. C'est équilibré, là? Vas-y, tout droit, tout droit. À droite. À droite, tourne. Vas-y. À droite, recule, papa. Recule. Tourne un quart de tour, Kim, un quart de tour. Pas chasser, vite, pas chasser. Oui, Kim, attention. Ouais, continue. Un peu à gauche. Un petit peu devant. Avance, devant toi, Nico. Nicolas chez les jaunes semble ne pas entendre sa femme. Bloqué, il vient de renverser un panier. Plus vite, tu vas pas assez vite, Nico. Il faut être attentif, il faut être concentré et bien écouter les enfants. Sauf que tout le monde parle. C'est très, très difficile. Stop. Avance. Stop. Filez. Voilà, droit. Voilà. Tranquille, filez doucement, on est tranquille. Allez, papa! Lève le pied, avance. Vas-y. Bon, pas chasser, Nico, tu vas pas assez vite. Les bleus, les roses et les jaunes entament la deuxième étape de l'épreuve et enjambent déjà les cordes. Mais pour les verts et les violets, tout se complique. Cédric ne parvient pas à passer le premier obstacle. Et de son côté, Kim ne comprend pas les directives de son fils Théo. Kim! Mais arrête! Kim! Arrête de tourner! Non, arrête, Kim! Mais arrête quoi? Tourne un quart de tour! À droite ou à gauche? À droite! C'est à droite! Arrête de tourner! Tourne! Un peu à gauche et un peu partout! Et Kim, on est dernier! Avance! Alors que le stress se fait sentir chez les violets et les verts, les bleus sont les premiers à rejoindre leur urne. Stop. Reste là. Suivi de près par les roses, mais rien n'est encore joué, car les porteurs ont perdu la moitié de leur chargement et arrivent au bout du parcours avec des paniers à moitié vides. Voilà, tu te retournes. Nico, prends pas chasser, tu vas pas assez vite. Demi-tour, droit, tout droit, go. Non, encore. Stop, tout droit. Allez, vas-y, au filet, monte. Quoi? Monte les pieds. Non,
À droite, à droite, à droite. Lève les pieds maintenant, lève les pieds. Les équipes se croisent sur les filets et Cédric se concentre avec beaucoup d'adresse sur son premier passage. Donc, vas-y, accélère. Et là, je bloque. Tout droit, tout droit. Et Kim rencontre beaucoup de difficultés là. C'est pas simple du tout. Continue, continue. C'est bien. Continue. Kim, de son côté, s'épuise sur ce parcours et ne parvient pas à tenir en hauteur les paniers qui s'entremêlent dans les cordes. Une vraie galère pour les violets qui ne réussissent pas à l'aider. Continue. Continue. J'ai des trucs qui me coincent. Attention, les crocs derrière, dans le bras. Remonta, tourne. Et là, j'ai un truc qui me retient. Attention, les crocs. T'as accroché. Malgré le courage de Kim, qui ne lâche rien, la situation est critique pour les violets. Kim est coincée. Elle perd sa cargaison et prend beaucoup de retard. Recule un peu, recule. Voilà, attention. Ouais, c'est bon. Ça l'est. Mais Kim n'est pas la seule. Nicolas, le papa des jaunes, peine aussi à passer le filet et renverse à nouveau ses paniers. Vas-y, reviens droit. Va en passe assez, Nico, tu vas pas assez vite. Nico, vas-y. Lève, attention. Soulève un peu tes bras, ça cave, ça tape. Vas-y. Allez, prenez les récipients. Mais arrête de bouger. Voilà. Avec tout le chargement qu'ils ont perdu en chemin, les violets et les jaunes remplissent nettement moins les urnes que les autres familles. Nico, prends pas assez, tu vas pas assez vite. Demi-tour. Trois, tout droit, go. À gauche, lève le pied, avance. Les roses trouvent leur cadence et prennent de l'avance, mais attention, dans cette épreuve, le but n'est pas seulement d'être le plus rapide, mais aussi de remplir l'urne le plus vite possible. Tu te retournes et tu pars. Stop. 1, 2, 3. Lève le pied. Avance. Lève le pied. On est premier. Droit. C'est bon. Encore stop. Super, encore. Attends, papa, lève pas. Encore un pas. Nicolas chez les jaunes arrive enfin au niveau de l'urne, mais les autres équipes ont un tour d'avance. On est loin de la marque. Ouais. Hein? Allez, encore un tour. Ah, je suis bien là. Pardon, vite, là. Le non. Premier, le premier. Lève. Kim, vite. Mais vite. Plus vite. Kim, plus vite, t'as plus rien là. Mais attends, tu peux foncer. Tout droit. Allez, on se relève, c'est pas grave. À droite, un tout petit peu. L'épreuve se corse et les chutes des violets et des jaunes permettent à Cédric de reprendre son souffle et d'accélérer le pas. Tout est encore possible pour les verts car leurs paniers sont les mieux remplis. C'est les derniers piles, c'est bon, dans les piles. Non, tu avances encore, c'est bon. Allez, viens là. Avance. Allez, c'est peut-être le dernier voyage. Ça y est, Cédric vient de remplir une nouvelle fois. Et c'est Sophie, et le voici qui repart. Dépêche-toi. Remplis, avec tes mains. C'est bon. Fais gaffe. Lui, va se long. Vas-y, tout droit. Un peu à gauche. Tout droit. Allez, c'est bon. Tout droit. Allez, avance. Les bleus et les roses mènent la danse sur cette épreuve. Ils entament leur troisième voyage et espèrent que ce sera le dernier pour finir de remplir leurs urnes. Ficelle, lève le pied, avance. Grand pas, papa, t'es grand pas. Oui, c'est bien, papa. On est en même temps que les roses, c'est parfait. Lève le pied. Ficelle, terminé. Stop. Attends. Donne. C'est bon? Non, pas encore. Ce n'est pas fini pour les roses, ni pour les bleus d'ailleurs. Ils doivent faire un nouveau voyage, ce qui profite aux verts. On a l'avance. Romain, dépêche-toi, c'est le dernier voyage. Allez, remplis. Dernier voyage, dépêche-toi. Voilà, c'est bien. Tiens. Allez, remplis un saut, ça suffit. Allez, Maëlys. Remplis à fond.
La première place semble se jouer entre les bleus, les roses et les verts qui reviennent dans la course et se battent jusqu'au bout pour gagner la tête de lion. On remplit à fond. À fond. Allez. Oh merde. Rempli. Ça fait le tour. Allez, rempli bien. Allez, dernier voyage, dépêche-toi Romain. Je suis droit au jeu là. Tout droit, tout droit. Vas-y, prends. Attends, il y a encore un deuxième. On remplit à fond. Ouais, mais il y en a encore. La course s'accélère car l'enjeu est important. La première famille qui remplit l'urne jusqu'au trait rafle la tête de lion. Vas-y, c'est pas grave, t'as pas mal. Lève le pied, avance. Lève le pied, avance. On est bon, on a gagné. Viens là, vite, avance. On a gagné. Je valide. Les verts décrochent la tête de lion. Les roses, je valide, deuxième. Les bleus, je valide, troisième. Ça va, c'est bien, oui, après les roses, mais ils viennent à peine de finir les roses, c'est bon, c'était pareil que presque. On joue désormais pour l'avant-dernière et la dernière place. Et pour Kim, c'est très très difficile. Fuart aurait peut-être été plus à l'aise pour porter les sauts. À droite. Allez, avance, non, pas jamais. Fais gaffe, recule. Mais non, un quart de tour. Kim est déboussolée. Elle part en sens inverse et sa famille commence à désespérer. Très serré entre les jaunes et les violets. Élastique. C'est moi qui mets le dernier. Est-ce qu'il y en a qui sont arrivés déjà? Vas-y, c'est bon, tant qu'on s'en fout. On s'en fout, Nico, faut juste finir. On s'en fout. Avance. Les jaunes, je valide, quatrième. Bravo. Bon allez, plus vite, on a perdu là. C'est pas grave. Hey, c'est pas grave. J'en ai marre de crier avec vous. Mais non, il y avait trop de voix. Ça a été une partie éprouvante pour vous. Vous terminez cinquième. Le choix du porteur était important. Qu'est-ce qui s'est passé? L'orientation? Ouais, puis j'entendais rien. Vous n'entendiez rien? Non. Le jeu avec le porteur s'est très mal passé. On s'est dit qu'avec les cordes, ce serait mieux d'avoir des petits pieds. Donc là, on s'est rendu compte que c'était aussi une erreur parce qu'elle a des petits pieds, mais elle a aussi une petite taille. Donc on a eu les récipients qui sont un peu emmêlés dans les cordes. Donc ça n'a pas du tout marché, donc nos stratégies n'a pas été bonnes. T'écoutais rien en plus, on disait à droite et puis toi tu partais à gauche. Mais j'entendais rien. T'étais à là, les autres ils étaient déjà pour leur retour du deuxième, je savais que c'était mort. Mais non, mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave les enfants. Maman, en fait il y avait que des garçons avec elle et je pense que c'était dur. Mais quand même, on trouve qu'elle nous écoutait pas du tout, elle était dans sa bulle, elle écoutait rien et nous ça nous énervait. Ça n'a pas marché ce jeu, c'est pas grave, il y a la suite. C'est pas grave, mon chéri. C'est pas grave. Au Boma, vous allez vous rattraper. Non. Mais quel retournement de situation pour les Verts. Dans les derniers instants, vous avez réussi à vous emparer de la victoire. Viens, Nathan, viens me rejoindre avec ton bâton, que je te remette cette tête de lion. Romain, viens avec nous si tu veux, tu es le bienvenu. Bien, mon grand. Bravo, les gars. Alors, heureux? Ça fait plaisir, non? Romain, t'es content? Oui, je suis assez content. Assez, ça veut pas dire très content, c'est assez, c'est tout? Non, je suis beaucoup content. Je suis très content, très heureux. Allez, embrassez vos parents pour moi. Bravo à vous. Félicitations. J'ai toujours rêvé de ce lion. J'ai toujours voulu l'avoir parce que ce lion, pour moi, ça montre qu'on est les meilleurs sur cette épreuve. Et quand papa il a failli être doublé par le père des roses, j'avais peur d'être deuxième. Et quand on renverse et qu'il dit c'est bon, c'est validé, j'étais content. Eh bien, en plus de cela, les verts, vous allez pouvoir partir au Wildlife Center. Après les rhinocéros, eh bien, vous allez découvrir les Wild Dogs. J'espère que la vue du sang ne vous fait pas peur, car vous allez devoir nourrir ces prédateurs
au cri incomparable. Il fallait que ça, qu'on gagne des épreuves bout à bout parce que je commençais à me poser des questions. Est-ce qu'on avait bien fait de venir? Est-ce que finalement je m'étais dit tiens, on est bon, on est sportif et finalement on est nul. Enfin, je commençais vraiment à me poser des questions. Heureux les Verts? Ah oui, très ouais. Bravo, bravo à vous, félicitations. On va revenir sur le classement si vous le voulez bien. Les roses vont pouvoir venir me rejoindre. Maëlys et Titou, venez. Deux têtes de serpent pour vous. Vous êtes donc en deuxième position. Bravo. Ah, vous êtes battus, hein. Voilà, tenez. Allez rejoindre votre famille. Les troisièmes, ils décrochent trois têtes de serpent. Les bleus. Mathieu et Lisa, trois têtes de serpent pour les bleus. Bravo à vous. Quatrième, ils se sont battus jusqu'au bout. Applaudissements pour les jaunes. Bravo. 1, 2, 3, 4. C'est bon, c'est cadeau, c'est pour vous. Regardez bien. Vous êtes avant-dernier, il va falloir vous battre. Allez-y, allez rejoindre vos parents. Et les derniers, malheureusement pour vous, les violets. Venez me rejoindre, les enfants. Venez me rejoindre, Inès et Théo. Tenez, vos cinq têtes de serpent. Il va falloir vous rattraper, bien sûr, à la cérémonie du BOMA dont je vous parle dans quelques secondes. Allez rejoindre votre famille, les violets. Et bravo à vous. Bien sûr, récupérer 5 têtes de serpent, ça fait jamais plaisir. Ça veut dire qu'on est dernier. Et bon, l'ego prend un coup là-dessus. Mais on s'est rendu compte que dans cette aventure, les choses pouvaient changer très vite, que les premiers pouvaient très vite devenir les derniers. Et donc que les derniers, nous, on pouvait très vite basculer premiers. Donc les Verts nous ont montré l'exemple.